Et salutations à vous, survivaliste vidéoludique. Salut, donc je suis toujours sur Breath Edge. Alors j'ai pas mal avancé, j'ai fait le casque, j'ai fait la combinaison qui augmente de plus 25, plus 25, plus 50 la radiation, le double préservatif à oxygène. Voilà. Alors, je vais vous faire juste un petit tour du paysage. Alors je vais aussi en profiter pour fabriquer une station, car nous allons maintenant passer dans le dernier carré. Alors il me faut sûrement ça pour la station. De l'aluminium. Alors je vais vous expliquer, on va faire un petit tour du propriétaire, là où j'ai trouvé les trucs. J'essaye de faire juste cet objet parce que nous allons partir vers une zone donc que je n'ai pas explorée. Je vais voilà. Oui, je vais boire un peu. Alors, peu ce que j'ai découvert. Alors. Je suis allé. Alors oui, je suis aussi à 5 secondes d'autonomie, donc beaucoup mieux. Ici, là, vous trouverez. C'était un peu caché. Vous trouverez pas mal de plastique et des éléments fort utiles. Bon, moi, ça m'a bien aidé d'aller là-bas. C'était un peu bien gavé. Ensuite, je suis allé là, en face ici. Et là, en fait, on va trouver la peinture qui manquait pour faire la combinaison et le casque. Donc, c'est là, la peinture. On va essayer d'y aller. Je vais m'arrêter à celle-là, là, à 399 mètres du vaisseau, pour vous montrer un peu plus près les deux sites que j'ai explorés. Voilà. Alors, on y va. Voilà, donc en partant de ce site-là, on peut très rapidement, mais je vais faire quand même. Alors j'ai installé aussi un autre site dans la zone que je pensais hyper radioactive. Mais en fait, elle l'est pas du tout. C'est de la peinture, ce genre de rouge-là. C'est pas du tout de la radioactivité. J'ai pas trop compris au niveau de la radioactivité, mais je pensais qu'en fait, c'est ce genre de singularité spatiale là qu'a créé le vaisseau dans sa destruction. Et en fait, quand on est en face d'elle, j'ai l'impression que la radioactivité monte. Et quand on se cache de cette singularité, j'ai voilà, ça baisse. Alors là, il y a des trucs, pas mal de trucs aussi à récupérer. Alors, on reprend un peu le plein. Alors, pour trouver la peinture, il faut d'abord commencer ici. C'est le point le plus près pour trouver la peinture. En fait, on va trouver un mec qui s'est fait empaler par de la peinture cristallisée spatiale. On va lui piquer son œil pour aller s'en servir à un scanner un peu plus haut. Voilà. Donc là ici en fait, il faut récupérer l'œil du type et l'amener au scanner qui se trouve lui aussi dans un amas de peinture ici. Ah, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut le... Non. Voilà le scanner. Et là, on récupère en fait notre premier lot de peinture et on va pouvoir très facilement comme ça finaliser le truc. Alors où j'étais moi? Ah mais j'étais là, non, j'étais pas là. J'étais. Ouais, alors il faut pas se tromper, il faut toujours aller vers le plus près. Je sais pas si je vais y arriver. 26 secondes si je devrais y arriver.
Alors ensuite, je vais vous montrer là où j'ai exploré, où j'ai pu petit à petit, ça a été une grosse zone d'exploration, mais qui m'a bien avancé, disons qui m'a quasiment finalisé la combinaison spatiale. C'est par là. Alors là, c'est vachement loin. Alors au début, c'est assez impressionnant, mais en fait, ça allait pas trop. Sur le coup, je me disais, ouais, ça va être hyper radioactif. En fait, c'est la peinture rouge. Donc, je pense que c'est la singularité spatiale du vaisseau détruit qui fait monter la jauge de radioactivité. Parce que là, par exemple, sur ma droite, je suis face donc à la singularité. Je me la prends, voilà. Donc, la jauge de radioactivité monte. Je pense que c'est ça. Hein. Je suis pas. Mais je pense que c'est cette singularité bleutée. Quand on est face à elle, ou quand on n'est pas caché de ses rayons, que la radioactivité monte. Parce que dès qu'on se retrouve dans un genre de huis clos, ça baisse. Voilà. Donc, ici, là, pareil. Alors là, ça va être la gavade de la peinture. Et aussi. D'un genre d'aluminium quoi. Voilà. Ouais, j'ai plus beaucoup d'oxygène, voilà, mais je vais recharger ça. Donc pour vous montrer, il y a des tankers qui sont remplis de peinture, voilà. Alors il faut les ouvrir à coups de perceuse. Et avec la perceuse, on débloque en fait des peintures. Voilà, j'ai vidé tous les réservoirs de peinture déjà. Et ensuite, c'est ces boules qui lâchent ça. Voilà, du LED. Voilà, bon, il y a plein de trucs, hein. On peut vraiment farfouiller. Il y a aussi de la peinture à récupérer. Sous des petites formes de boulettes, mais j'en ai récupéré pas mal, donc bon, je sais pas s'il en reste dans le coin parce que j'avais bien nettoyé. Voilà, mais les tankers, voilà, c'est voilà. Donc, la seule, voilà, en voilà une. Voilà, ça c'est les petites. Voilà. Alors je ne suis toujours pas arrivé à ouvrir, par contre, les cercueils. Je n'ai pas trouvé. Oula, oula, qu'est-ce qui se. Oui, faut que je. Je n'ai pas trouvé comment ouvrir les cercueils. Pas encore. Hein. Ce qui. Je n'arrive pas à trouver pour l'instant le plan de la. Comment ça s'appelle hein? Le plan du pied de biche. Voilà, donc là j'en ai un à 650 mètres. On va aller là. On est parti. Donc là, par contre, il y a l'effet de freeze, de froid, là, de congélation. Alors, on n'en meurt pas en fait de la congélation. Je pensais qu'on en mourrait, mais on ne voit plus rien, quasiment plus rien. Tous les crânes se glacent. On a quasiment plus de ligne de vue. Donc là, il y a encore des cercueils à récupérer. Donc là, je vais enfin explorer le dernier point là, qui est à 1000 mètres. On va se le tenter. Alors là, j'ai fait un petit point, j'ai fait une station d'oxygène là. J'ai trouvé du verre. Alors le verre, il faut le récupérer avec ça. Parce qu'autrement, on se fait mal à la main. Disons, le verre, les bris de verre découpent la combinaison. Et je ne l'ai remarqué qu'au dernier moment. Il me restait peut-être moins de 10% de vie. Donc c'était assez impressionnant. Alors si vraiment j'y arrive pas, je vais prendre. Voilà. Alors là, ça commence à glacer. Donc on voit que l'écran petit à petit se couvre de glace. Mais j'ai fait la station d'oxygène à côté d'un puits de chaleur là, d'un engin qui reste encore au chaud. Donc qui fait. Voilà, oula, voilà.
C'est juste. Mais c'est bon. Voilà. On va boire un peu. Manger un peu. On va se refaire le plein. Et allez, on part vers l'inconnu. On y va. 900 mètres à faire. Donc là, je pense que vous allez pouvoir assister au refroidissement. Alors, je vais essayer de fuir. The presence of such an amount of cooling gel is strange. Such a composition was cacher de cette singularité bleutée là au loin. Voilà. C'est bizarre parce que j'ai toujours quand même le truc. Là, je suis caché de la singularité et mon niveau de radiation monte toujours. Donc, c'est pas lié à ça. C'est pas lié à ça. Ça doit être lié à l'environnement, je sais pas. The captain's bridge is detected ahead. The evacuation should be led from there. Donc là, ça commence à cailler. Ce qu'on peut faire, probably everyone died. C'est boire un peu. Alors bon, l'avantage que de boire, c'est que ça m'a réchauffé. Mais comme vous constatez, ça y est, j'approche. Je suis à 500 mètres. Eh oui, non, là je vais pas y arriver. Donc là, j'use. Allez, on rentre, on arrive dans une zone. Alors je vois le pont du capitaine. L'avant de l'énorme vaisseau. C'est alors les communications avec le. Alors les communications avec le pont ne sont peut-être pas là. With such an accent, the incorrect localization sounds extremely convincing. The information on the captain's bridge is classified in the database. Therefore, it is recommended to ignore this valuable device. Voilà, on a très peu d'informations parce que les informations du capitaine sont classifiées dans la base de données. Donc ça fait que l'IA ne peut pas en fait accéder à cette base de données. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai encore deux capsules, je crois, d'oxygène. Ça va être chaud. Donc je vais en prendre encore une autre. Je sais pas où nous allons, mais nous y allons. Tout droit vers l'infini et au-delà. On approche. The captain's bridge was badly damaged, but the main systems are still functioning properly. Ah, bon, le pont a pris des dégâts, mais il est encore partiellement fonctionnel. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, un truc à réparer, avec le gourdin, bien sûr, hyper high-tech, qui répare tout. Ah, là, au lieu de faire des dégâts, on fait des points de vie. Voilà, système opérationnel à 100%. Et c'est incroyable. Je suis revenu à 100% de ma respiration. C'est exactement comme la petite pièce du début, là, une genre d'oasis d'oxygène. Ici, j'ai un petit oasis d'oxygène. Je suis quand même à 1000 points, à 900 mètres de mon plus proche point d'oxygène. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas grand-chose par ici. Donc là, c'est le truc du capitaine. Qui a un peu morflé. Alors la porte est fermée. On pourrait envoyer, si on arrive à la désactiver, un message de détresse. Alors, entrer le code. Le code, je ne connais pas le code. Incroyable. Le code est sûr. Et ça ouvre comme une bonne vieille clé, quoi. Incroyable. Bon, j'avais le code, merci. Voilà, encore une fois, le poulet immortel avait son code, le code du capitaine. Allez, je vais tester, on va s'asseoir à la place du capitaine. Alors, open. Ah, need a key, ah oui. Need a key. Et ça y est, j'ai la clé en main. Attention. C'est parti. Loading. Alors, système loading, please wait. Ah, je vais peut-être arriver à m'échapper. Bienvenue à bord, capitaine. Système actif, moteur actif. 3, 2, avant l'allumage. 1, allumage. C'est parti. Ah,
Ah ouais, merde, je suis pas parti avec. Il y a plus d'oxygène. Aïe, 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 aïe. Seems it will be a long day. Ah, et bien voilà, le chapitre 1 est fini, Lost in Space. Et le problème, c'est que je crois qu'il n'y a que le chapitre 1 qui est fini pour l'instant. Alors, bon, et bien voilà, c'était de leur CXX, de leur LiaxX accès, avec le premier chapitre, voilà, qui se termine. Bon, ben c'était super génial, à la fin, quoi. J'ai trop aimé la fin, quoi. Je croyais partir, quoi, puis voilà. En fait, je reste sur mon siège et le vaisseau part, sans moi. Il me tarde de savoir la suite parce que là, franchement, avec comment ça finit, quoi, je le vois mal, quoi. Le barbu astronaute, hein, ou l'astronaute barbu, bon, mais c'était sans sortir. Ouais, là, je vois mal. Je vois mal la suite. En plus, il a fait exploser la singularité. On dirait qu'elle flambe encore plus. Bon, fait. En tout cas, moi j'ai super aimé. J'ai super aimé et franchement, il me tarde le chapitre 2. Ah! Et bien voilà. Nous sommes repartis au menu. Bon, et bien c'était sympa. Merci en tout cas à ceux qui me suivront sur ces 6 petits épisodes. Donc, parce que là, ça s'arrête là pour l'instant. Et bien, ce fut fun. En tout cas, c'est un bon jeu de survie qui démarre bien. Et je serais vraiment très tenté de faire donc la fameuse suite. Vraiment génial, je le trouve bien, un bon jeu de survie, et pas mal d'humour, tout en étant quand même, il faut rechercher la matière. Bon, j'ai joué, donc voilà, le chapitre 1, 6 heures à peu près, 6 heures pour le boucler. Bon, et bien, à ciao, survivaliste vidéoludique, et à d'autres rendez-vous ludiques. Allez, au revoir!